Dans quelques jours, la France accueillera une conférence internationale qui réunira l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement du monde pour construire ensemble un nouveau pacte financier pour le développement durable et la lutte contre les inégalités mondiales. C'est un enjeu majeur aujourd'hui pour répondre à l'ambition de tous de pouvoir régler les enjeux du développement durable en associant les États, mais aussi l'ensemble des acteurs de la société civile, les acteurs économiques et bien sûr les agences internationales des Nations Unies. L'ambition de cette conférence est de mobiliser très concrètement les acteurs pour financer très rapidement, en innovant, en étant tous partie prenante de cette ambition, les objectifs du développement durable qui nous concernent encore une fois tous. Un des axes qui ne doit pas être perdu de vue et qui est annoncé par le président de la République, c'est bien sûr de mobiliser des fonds pour le développement durable tout en préservant l'aide publique au développement destinée aux pays les moins avancés pour répondre aux besoins prioritaires, essentiels des populations les plus vulnérables. La première des préconisations vise à sanctuariser l'aide publique au développement à destination des pays les moins avancés pour répondre aux besoins essentiels des populations les plus vulnérables. Cela passe par l'obtention du 0,7% qui avait été prévu par les États, 0,7% de leur richesse à destination du financement de cette aide au développement. La deuxième préconisation vise à associer l'ensemble des parties prenantes à la construction de cette politique d'aide au développement durable, c'est-à-dire les États, les sociétés civiles, les décideurs politiques et économiques. Le troisième axe qui nous semble important est de veiller à développer de nouvelles ressources financières à destination du développement durable. On a par exemple identifié la nécessité sans doute de taxer les industries les plus polluantes, qui sont aujourd'hui celles qui sont les plus carbonées. Une piste supplémentaire est par exemple la taxe sur les transactions financières, qui aujourd'hui est mise en place par une quinzaine d'États du monde, mais qui devrait pouvoir être largement universalisée pour collecter plus de fonds à destination de l'intérêt collectif, le développement durable, qui soit juste, équitable et partagé.